vient de se faire 2 jours de temps pourri. Il y a de la flotte, il y a de la gadoue, ça a été un peu le bazar. On a bâché provisoirement avec de la voltige, etc. Donc on peut se faire un petit stand de découpe en dessous. Mais là, le soleil et le bleu est de retour. Je ne sais pas si ça se voit et ça fait bien plaisir. Allez, c'est parti, on attaque la charpente, les arbalétriers, les entrées. On va faire du trait de Jupiter, on va faire des belles entures. Ça va être un bon moment quand même.
Croise la plus longue. Là, ah, wow, ça se peut. Ah putain, tu vois, j'ai senti que j'ai plongé. Tu sais, quand tu dis dans ton cours, il faut apprendre à porter la machine. Ah, là, c'est plus de la machine. Là, ça prend tout son sens. On mettra, on le lèvera. On le lèvera et tu mettras, okay. Que sinon t'as pas l'angle. De toute façon, même pour la lisse haute, tu... Non, parce que là, j'ai moins d'un plus sexy, tu vois. Pendant que la charpente prend un peu de forme en 3D, il y en a une qui chôme pas. Regardez-moi ce potager qu'elle est en train de nous préparer. Bon, elle a perdu un poireau perpétuel, mais à part ça, je suis très très fier de vous présenter le potager de la troisième équipe. On en reparlera, c'est promis.
Je me fais extrêmement plaisir sur ce chantier. J'ai lu vos commentaires. Beaucoup me demandent plus de détails. C'est trop compliqué. Un, ce sont des techniques que je ne maîtrise pas. Je me fais accompagner sur ce chantier. Je serais parti tout seul, mais ça m'aurait pris beaucoup plus de temps pour, bien sûr, pour le faire, mais aussi pour découvrir les techniques, pour découvrir un peu plus les normes. Donc non, je ne peux pas rentrer dans les détails. Je ne peux pas faire du tuto sur la réalisation d'une charpente comme celle-ci. Ça serait bien prétentieux de ma part. Pour ce qui est de la charpente, vous avez vu, j'espère que le son est correct avec ce vent, vous avez vu qu'elle est belle, vous imaginez bien aussi qu'elle ne va pas rester au ras du sol. Aujourd'hui, quand je tourne ces images, elle est déjà en haut de l'échafaudage. Mais ça, la réalisation des murs, la pose du pare-vapeur qui a bien commencé, c'est pour le prochain épisode. Alors n'oubliez pas, vous vous abonnez, vous cliquez sur la petite cloche, vous mettez un commentaire si la série vous plaît. Et puis nous, on se retrouve dans quelques temps pour la suite de cette aventure. Allez, bye bye.